Salut tout le monde, ici Stéphanois du 83 et on est prêt pour le derby, la finale de la Coupe de France dans un derby chaud bouillant entre Saint-Étienne et Lyon au Parc des Princes. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a toi, voilà. C'est parti. Le derby. Nous sommes à quelques secondes du coup d'envoi de cette finale de la Coupe nationale. Ça va être un grand match. Oui, un grand match parce que c'est une grande compétition. Ça va être c'est un grand moment dans la carrière d'un joueur. Les supporters sont aussi remontés à bloc. Regardez la Elle est en mode classique. Regardez le tableau. Regardez, Niort en quart de finale sont allés gagner au Vélodrome. Très attendu aujourd'hui, le fameux derby. C'est parti le derby. Il a de la compétition. Le derby en France, ça serait celui-là, Hervé. On a tous les ingrédients de la rivalité, deux villes proches géographiquement. À moi, il y aura une faute d'entrée. Jérémy Clément pour frapper ce coup. Il est bien tiré. Ça revient avec Romain Mouma. Il décide de prendre sa chance. Romain Mouma. Je suis coupé, ça sera capté par Lopez. Alors Franck, l'Olympique Lyonnais a... Et Lyon pour répondre. Indéniable, mais il faudra quand même se méfier de cet adversaire. Oui. Ben oui, Hervé, le match s'annonce serré et il le sera. Oh, attention. On pas douter. Ah oui, pas comme ça. La surface, ce centre, on ne trouve personne, à part un joueur adverse. Allez, avec Cornier. Cornier. Pour moi, je dis Cornier, il joue. Pour moi, je dis Cornier, il est chaud. Dolan Roux également servi. Oh, moi aussi. Oh, moi aussi, c'est vrai qu'il a loupé quelque chose de gros là. Oh, moi aussi, c'est vrai qu'il a loupé la balle du menin 0 contre le grand Roux. Oh là. C'est vrai. Luc Perrin, c'est sauvé sur leur ligne, mais je crois que c'était pas cadré. Ça revient sur la moitié contrée. Mais ça sera un corner en faveur de la Saint-Étienne, le quatrième, je crois. Après 14 minutes. Regardez qui se lâche sa défense. Et Moustapha Voyage, ça l'était monté. Dans son dernier match. J'en suis pas sûr. Soit il lui reste une année ensuite. Mais attention, soit il lui reste une année ensuite. Soit c'est son dernier match au bout de 10 ans avec la Saint-Étienne. Il y a tout pour qu'on ait un petit derby là. Si on le gagne, il faut vraiment s'habiller. Et d'un côté, il y a tout pour qu'on le perde parce que eux ils vont aussi nous essayer de nous gagner. Eux ils vont tout faire justement pour que ça gâche notre rêve. Pour gagner le derby. Tolisso. Aïe 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 les gars. Attention. Mec Perrin. Perrin. Et à un moment, allez, tu le traces. Dommage. Niveau 3 minutes de jeu 0-0. Finale de la Coupe de la Casette. Parc des Princes, Saint-Etienne, le dernier match de l'année. Ballon repris par Saint-Etienne. Dernier match de Moustapha Bayassal. Peut-être aussi de Florentin Pogba. La LCC, on devrait déjà chercher un défenseur central là. Oh, Cornier. Saint-Etienne avec un bon ballon d'attaque. Et c'est Eric. La frappe de Eric. Et Amouma. Amouma. 30 minutes de jeu. Saint-Etienne ouvre le score dans cette finale de la Coupe de France. Avec le plaisir, le petit ralenti de ce but. La frappe de Eric. Qui est arrêté et qui a entendu Amouma. Qui ne va pas frapper. C'est là Saint-Etienne qui mène. Incroyable! Oh que non, il va pas se priver. Il va pas se priver, pardon, Mouma. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. On va bien s'en part du ballon. Attention! Oh, va pas trop loin, Mouma. Là, tu peux prendre un rouge, tu sais que les arbitres. On les met pas tacler. Le gardien, il serait resté 2 heures au sol. Là, Maxime Bonallon. Tolisso. Attention! Attention, Bédimo, sur le côté, Bédimo, passe à Mouma, Bédimo, et le centre est bloqué, et c'est Rick, qui repart à l'attaque avec les verts, et c'est Rick,
Rukoto qui recherche ses routes, mais ça sera trop fort. Et on gagne du voir après un train qui se bat. Statistique de possession, surprenante au bout du score. Ouais, on voit clairement que l'Olympique Lyonnais a le monopole du ballon, mais cela ne se reflète pas du tout au tableau d'affichage. Il ouais, fallait y aller sur ce ballon. Et Lyon qui a la balle avec la casette. Attention à lui, la casette. Et Yannick qui essaie de porter le danger dans le camp adverse. Ah, le centre. Le centre de Bédimo. Et ça sera. Oh, et ça sera. Et il a mis temps. Mi-temps. L'arbitre qui peut donner le coup d'envoi de cette seconde période ici au Parc des Princes. Raphaël. Avec Raphaël, la casette. Jérémy Clément. Clément avec Roux. Nolan Roux. Dimo. Pour l'instant, c'était le doublé. La Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Esserique. Et la Coupe de France en plus dans le dernier. Mathieu Valbuena. Que de mieux. Que de remporter la Coupe de France dans le dernier. Pour lui dans cette première période, sans être étincelant. Mais c'est pas fini. Il va falloir tenir. Oh, il n'y a pas faute, c'est bien arbitré. Qu'est-ce que c'est bien arbitré cette première période. Avec Nolan Roux, qui va la donner à Lemoine. Frappe de Lemoine. Frappe de Lemoine. 2-0. Saint-Etienne mène 2-0. Et la Coupe de France. C'est plus qu'à 35 minutes. La Coupe de France nous tend les mains. Le doublé nous tend les mains. Le derby nous tend les mains. Ballon pour Valbuena. Le joueur a terminé son échauffement. Il est prêt à faire son entrée. Ce sera au prochain arrêt de jeu. Avec Gonalon, Grenier, attention. Terrain parfait, oui le moine. Ballon repris par Saint-Etienne. On récupère ce ballon dans notre jeu. C'est dommage. Maxime Gonalon. Raphaël. Yunga Mbiwa. Ah, égal pressing de là, nous, Saint-Etienne. Pressing. Passe en retrait pour le gardien. Maxime Gonalon, bonne récupération au milieu de terrain. Et c'est Rick avec le moine. Un beau duel en perspective. Là, c'est le gardien qui a eu le dernier mot. Et c'est la sortie. Défense de malade. Raphaël. Avec Raphaël. Bon, la passe est mal ajustée et il récupère un ballon facile. C'est Rick qui n'attaque pas son ballon. Aïe aïe aïe. Ouais, il a du soutien, c'est bien. C'est bien centré. Et Perrin, parfait. Qui l'a dévié, attention. Un quart d'heure. Ça va être fait. Yunga Mbiwa. Il ne se dépêche pas en plus. Ballon pour Valbuena. Ils sont contents eux aussi. De cette défaite. La tête, il est centré. Non, ils sont contents de rien du tout. Le moine, oh le moine, chaud le moine, avec Cornier, se joue littéralement de la défense. Cornier, penalty, Cornier, tu joues Cornier, c'est trop, il en a fait trop même, c'est sûr, oh le moine, il récupère cette balle, oh non, c'est bien taclé, Cornier, c'est incroyable, c'est bien le moine. Oh, ouais, parce que là il y a des petits fautes. Et il obtient la faute en plus. Et il obtient la faute pour gratter un petit peu de temps dans ses points de match.
avec un sauvé coteau. Arrêt du gardien qui bloque. Une minute de temps additionnel. Je ne pense pas que ses adversaires peuvent mettre. Le geste, ça ressemble à une élongation. Voilà, c'est terminé sur cette victoire finale. On a gagné la Coupe de France après la Coupe de la Ligue. Eh ben oui, il mérite totalement cette victoire. On les a vus monter en puissance pendant toute la compétition. Et aujourd'hui, pour c'est la fin de saison. Récompense pour eux. Bravo, messieurs. Ça y est, c'est fait. Ils s'imposent dans cette finale. Ils remportent la coupe. Énorme résultat pour cette équipe. Et ils peuvent savourer et se dire que tous ces efforts ont fini par payer. Bravo à eux. Bravo à ce groupe et à ce formidable entraîneur. J'ai apprécié, tout comme vous l'avez apprécié, j'espère, cette saison et ces deux titres de Coupe de la Ligue et de Coupe de France à la fin. Sur ce, salut tout le monde et à la prochaine. Non, on termine pas sur une image comme ça.